Qué pasó? Qué pasó? Vous voulez bosser? Si, trabajo? Si. D'accord, on bosse. Ok, écoutez, Mexicain, il faudrait que vous lisiez Le vieil homme et la mer à notre place. Comprendez? El viejo me y la mer. Ok. Bueno. Ok, si. Si. Bien, tenez, vous allez bosser ensemble, lire le bouquin et écrire 4 analyses. Comprendez? La sous-marinise. Bon, pas de problème. Oui, c'est aucun d'accord, problème. Nous, on peut le faire. Oui, si, la sous-marinise. Ok, gracias. Gracias. Putain, c'est trop bien, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bah ouais, c'est cool d'avoir des Mexicains. J'avoue que ça trouve le cul. Ils ont intérêt à avoir fait l'analyse du bouquin, on doit être à l'école dans un quart d'heure. Mais t'en fais pas. Que paso? Que paso? Alors, vous l'avez lu le bouquin? Si. Et de quoi ça parle, au cas où notre prof nous interrogerait? C'est l'histoire d'un vieil homme, et son travail, c'est de pêcher les poissons. Alors, sur le bateau, il va pour pêcher les poissons. Il attrape un poisson, mais le poisson, il est très fort, alors le vieil homme, il n'arrive pas à les remonter. Donc il se bat avec les poissons, plusieurs heures, et il arrive à attraper les poissons. Il attrape le poisson, ce qui fait qu'il gagne de l'argent. Non, parce que pendant les retours, des requins, ils ont dévoré les poissons. Et alors, le vieil homme, il est resté pauvre. Ça y est, c'est toute l'histoire. Si. Et vous avez écrit 4 analyses? Si, on a écrit à des analyses pour vous. Super! Ok, donnez-les. Donnez quoi? Les analyses que vous avez écrites, où est-ce qu'elles sont? Moi, mon analyse habite Miami. Je lui ai écrit comme vous vouliez, mais je crois pas qu'elle ait déjà reçu la lettre. Et ma cousine analyse, c'est lui écrit. Moi, j'ai écrit à 3 analyses. Ma nièce de Mexico, ma sœur de Denver et ma tante de San Diego qui m'a répondu tout de suite. Cher neveu, merci pour ta lettre. Mm-hmm. Putain! À cause de toi, on va avoir un zéro! Et pourquoi on vous aurait payé pour écrire à votre famille? On trouvait ça bizarre, nous aussi. C'est ta faute, gros connard! Garrison va nous coller! Vous venez les coller dans 10 minutes!